chef. Beaucoup de soleil. Beaucoup de Wayna. Beaucoup de Sourou. Et mes vœux les plus chaleureux. Qu'ils soient élus
ou simple citoyen, qu'il soit membre du bureau politique ou de la direction exécutive nationale, qu'il soit fonctionnaire ou agent économique à divers niveaux, tous, ensemble avec les députés, se joignent au président du parti pour leur dire que leur engagement a du sens et le PLD leur donne bientôt rendez-vous sur le terrain. Monsieur le Président, chers amis militantes et militants, la présente cérémonie vient à point nommé. C'est une occasion pour nous tous de faire le point des activités réalisées en 2013 et de tourner le regard vers 2014 pour de nouveaux exploits. 2013 a été une année au cours de laquelle l'esprit républicain a été maintes fois mis à mal dans notre pays par des crises successives, à savoir prétendues tentatives d'empoisonnement et tentatives de coup d'État, organisation calamiteuse et honteuse de concours de recrutement des agents permanents de l'État, non-organisation des élections municipales, communales et locales, répression brutale et sanglante de la manifestation des centrales syndicales par les forces de l'ordre, violation fréquente des droits de propriété privée ainsi que des harcèlements fiscaux, montée galopante des actes de régionalisme, crise institutionnelle entre le Parlement et la Cour constitutionnelle suite au rejet de la loi des finances exercice 2014 à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer la noblesse et la maturité de notre peuple qui, dans ces circonstances difficiles, sans franchir le Rubicon, n'a pas baissé les bras, bien que tiraillé par un doute existentiel. Que pouvons-nous? Et où allons-nous, Monsieur le Président? Ces interrogations taraudent les esprits et constituent un défi pour tous les responsables publics qui doivent avoir le courage de penser l'avenir sans mentir. Oui, Monsieur le Président, vous continuez à écouter sans juger, à proposer sans être suivi, et pourtant, vous êtes le chemin du redressement de la nation. Vous êtes la voix qui s'emploie au nom de la paix à fédérer les Béninois autour d'une volonté réformatrice. Vous nous apprenez à savoir être capable d'exercer le pouvoir avec renoncement. Et vous continuez de nous dire que rien de fort ne se construira dans notre pays sur le seul rejet du pouvoir actuel qui détruit tout sur son passage ou sur les débris d'une crise politique que lui ne peut souhaiter au Bénin. Il faut entrer une crise de conscience. Une crise de conscience collective pour transformer le système politique du Bénin et son modèle économique très peu adapté au contexte. Depuis trop longtemps, nous ajustons notre système à ses marges, chacun à sa part de responsabilité. Mais le pouvoir actuel incarne à la perfection ce mal depuis 2006. La suspicion populaire est la rançon de toutes ces postures et impostures. Et si nous devons quitter ces hésitations et toutes autres formes de menaces, alors le temps est à l'honnêteté et au courage de braver les facilités. 2013 a été aussi une année au cours de laquelle, sous votre égide, Monsieur le Président, le PLD a connu de rayonnement et de crédibilité grâce à des activités et ses prises de position que l'on peut citer. Plusieurs séances de travail de la direction exécutive nationale du parti assorties de décisions hardies, largement relayées dans la presse suite à différentes affaires au sommet de l'État. L'organisation ASME de l'université de vacances 2013 et qui a vu la participation de plusieurs acteurs politiques de l'opposition, de la mouvance et de plusieurs membres du gouvernement. Ces assises ont permis, grâce au carton rouge brandi par les militants PLD, de clore le débat sur la révision de la Constitution.
Monsieur le Président, nos différentes assises ont toujours permis de faire des critiques constructives, assorties naturellement de propositions objectives pour faire avancer notre pays, le Bénin. Monsieur le Président, mes chers militantes, militants, au plan parlementaire, plusieurs lois ont été votées avec une active contribution de notre groupe parlementaire, à savoir la loi portant code électoral en République du Bénin, la loi portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin, la loi portant détermination des unités administratives locales en République du Bénin, plusieurs lois de règlement et de ratification d'accords de financement de plusieurs projets de développement en faveur de nos populations. Monsieur le Président, plusieurs défis nous attendent au cours de l'année 2014. Les élections municipales, communales et locales que nous attendons de tous nos voeux depuis plus d'un an, elles seront l'occasion pour nous de rester très mobilisés sur le terrain et de soutenir nos différents candidats. L'alternance au niveau de la gouvernance locale doit avoir un autre visage que celui de la revanche ou de la colère. C'est l'occasion, Monsieur le Président, de mettre un terme à la politique de l'autruche pratiquée par certains de nos militants et militantes promus qui parlent des illusions politiques et la part du gain facile qu'on fait de tout voir en quête d'une popularité mais rester simplement dans leur imagination. Le PLD a une âme. Il est simplement un parti populaire ou de masse. Plusieurs familles ayant formé une chaîne d'union pour sa pérennisation. Monsieur le Président, une fois encore, c'est le lieu de rappeler aux différents élus du parti leur devoir d'honneur. Comme en 2013, Monsieur le Président, je voudrais encore réitérer à vous ainsi qu'à votre famille mes meilleurs vœux. Que la Providence vous comble de ses grâces, qu'elle obtienne pour vous et pour votre famille tous vos désirs pour cette nouvelle année. Quant à vous, chères militantes, chers militants, je souhaite une année de bonheur, de santé, de succès, de beaucoup de joie et surtout de persévérance dans l'action politique. Que la paix règne sur la terre, que Dieu vous protège, Monsieur le Président, et qu'il bénisse le Bénin. Je vous remercie. Merci aux représentants des élus du PR.